Excuse-moi, Galette. Ouais. Je me demandais, tu fais quoi après le cours? Après le cours? Ouais. Je te vois pas. Et toi, tu fais quoi? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, monsieur le proviseur. Alors, je vous présente un nouvel élève, voilà, qui vient d'arriver, Thilo. Bonjour, Thilo. Donc, il était déjà inscrit à l'école, mais il a eu quelques soucis. D'accord. Très bien. T'étais où? J'étais à Fleury, au Détroit. Non, Détroit, c'est nul. C'est mieux la D1, quand même. Ouais, ouais. Écoutez, prenez bien soin de lui. Ça marche. Je compte sur vous, la MILF. Merci. Installe-toi. Ah, t'as craché. Attention. Excuse-moi, tu fais quoi? Tu parles à qui, toi? Ouais. Ah ouais, téléphone. Vas-y, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. Eh, tu vas où, là? Un client, j'arrive. T'inquiète. D'accord. Si c'est une victime. Ah si. C'est un ouf, lui. Eh, j'étais à deux doigts de lui rentrer dedans. C'est un ouf, lui. Eh, j'ai envie de retirer, moi, je vais y aller. Ah, non, non, bougez pas, monsieur, faites pas ça. Putain, je vais y aller. Putain, je vais s'en vouloir. Eh, moi, j'ai peur de personne, moi. Eh, moi, j'ai peur de personne, moi. Puis c'est ça que j'adore avec ce groupe. C'est qu'ils vont vraiment au bout du truc, quoi. Ils s'en foutent. Je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, ils sont à Paris en ce moment, en concert. Ce soir, oh là là, j'aimerais trop y aller. Mais bon, à ce qui paraît, il n'y a plus de place depuis des mois. Ouais, c'est vrai, c'est complet. Mais figure-toi que j'ai 2 invitations pour aller. Salut Camille. Ça va? Tu vas bien? Bonjour, monsieur. Mais viens. Tu viens? On va en cours? Ouais. À tout à l'heure. Hey, tête de chips, comment ça va? Je te cherchais. Dis-moi, tu te rappelles de tous les services que je t'ai rendus? Quoi, tu te rappelles de rien? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ah, mais oui, vous parlez de la fois où je parlais trop en cours et où vous avez dit devant tout le monde, essayez de l'écraser, ça fera peut-être de la purée mousseline? Entre autres. Écoute, j'ai besoin à ton tour là que tu me rendes l'ascenseur, d'accord? Ok, je vous écoute. Il faut que tu envoies un nude à Jonas tout à l'heure en cours. Ok, mais je suis pas trop sûre, un nude, parce que vous savez, en ce moment, j'ai pris un peu de poids et je sais pas trop, en fonction de l'angle de vue peut-être, mais... D'accord, d'accord. Pas un nude de toi, malheureuse, hein. Non, non, j'ai envie qu'il borde, pas qu'il ait envie de prendre l'apéro. Non, non, tu prends n'importe quelle meuf bonne d'internet, t'en fais un nude, t'en fais un compte fake sur Snap et tu lui envoies un Snap, d'accord? Il faut que ça arrive en plein cours, il faut que tu t'arranges pour que Camille le voie. Ok. Putain, t'es la meilleure, je savais. T'es encore meilleure qu'une chips ou paprika trempée dans du guacamole. Moi, je te le dis. Eh, hey, monsieur, pourquoi vous lui dites rien à lui? Ce matin, vous étiez énervé, non? Comment ça, t'étais énervé? Tu fais le fou, toi, quand je suis pas là? J'étais pas énervé, après, en fait, j'étais pas bien. Il était énervé, tu sais pas comment il a parlé de toi. Il a dit, ouais, Thilo, je vais l'attraper, je vais lui mettre une télé. Qui t'a parlé, toi? Ferme ta gueule. Dommage, moi, je voulais juste être ton copain. Eh, c'est quoi ton délire? Alors déjà, c'est quoi mon délire? C'est peut-être que ton comportement, il n'est pas non plus très adapté. Eh, je vais t'expliquer un truc, quoi. Alors déjà, c'est moi qui explique parce que je suis prof. Ferme ta gueule, me coupe pas. Bah vas-y, explique. Quand j'ai des trucs à faire, je les fais. Que tu sois content ou pas. Donc là, j'ai un truc à faire. Oui, bah tu vas le faire. Voilà, t'as compris. T'as vu, moi, quand toi tu me parles, moi, je te comprends, mais toi, quand je te ferme parle... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Parce que moi, quand je te dis un truc, t'as vu, tu m'écoutes pas. Moi, quand toi, tu me dis un truc... Eh, t'es un ouf, toi! T'es un ouf! Eh, j'ai défoncé tes mains, mon bras, comment il est? Tes mains, il est dur. Bah, franchement, monsieur, vous êtes un peu rude, en fait. Je suis grave déçue. Non, mais je te l'avais dit, hein. Mmh. C'est une victime, c'est une grosse victime. Grosse une victime. Très grosse victime. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, vous allez où? Il reste 20 minutes! Il reste 20 minutes de cours! Non, c'est... Mais Louisa! Eh oh, eh! Eh oh, eh, eh! C'est toujours moi, hein! Et toi, plus jamais tu m'appelles tête de chips, d'accord? T'es personne. Eh, hey, regarde-moi. T'es la honte des Algériens, tu le sais, ça? Je crois que c'est un gitan. Allez, viens là. Petite fiotte. Comme le disait un très grand philosophe et ami à moi, Lunay, estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que finalement, être célibataire, c'est à la mode. C'est à la mode pourquoi? Parce qu'en 2020, on est dans une ère où on a besoin de liberté.
homme comme femme. On a besoin de ne plus être ancré dans des espèces de codes où tout le temps, on est obligé, quoi, finalement, de suivre un schéma de société. Non, mais t'es sérieux, là, Jonas? Hein? Tu regardes quoi? Rien. Donne-moi ton téléphone. Je te jure que je sais pas qui c'est. Tu te fous de ma gueule, là? Non, je te jure, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Ah, mais tu me dégoûtes. Mais je reçois un snap de quelqu'un que je connais pas. Mais non, mais Camille! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jonas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un de tes chats. C'est pas vrai. Une photo de ton chat. Je la connais même pas. Donc toi, il y a une chatte abandonnée, tu la caresses sur le bord du panier devant la porte, c'est ça? On reprend? Monsieur le proviseur? Oui. Je peux vous voir deux secondes? Bien sûr, que se passe-t-il? Bon, j'ai quelques soucis avec le nouveau, Thilo. Ouais. Il a un comportement inadmissible, il fait ce qu'il veut. Il y a deux solutions, monsieur le proviseur. Soit vous le virez, soit je le rentre dedans. Vous lui rentrez dedans? Ouais. Il va vous défoncer ta grand-mère. Bah ouais, c'est ça. C'est assez problématique. Non, je ne peux pas le virer comme ça, à moins qu'il ne commette quelque chose d'impardonnable. Voilà. C'est la seule solution que je peux vous proposer. Bonne chance, monsieur Zitoun. Merci, monsieur le proviseur. Mais quel connard. Non, mais franchement, te prends pas la tête, c'est pas grave. C'est autre chose. Salut les filles, ça va? Ouais. Avec Camille. On discute de ce qui s'est passé là. Ouais, tout à l'heure là. Mais quelle histoire. Ah hein. Oh là là. Tiens Delphine, tu peux aller me chercher des craies pour le cours de tout à l'heure, s'il te plaît. C'est un tableau Velleda. Oui, bah tiens, si t'en trouves, tu dessines une marelle dans la cour et tu m'appelles. Hein? Ah, ok. Alors on ira jouer. Allez, cloche, ciel, soleil. Ça va Camille? Non, pas trop, non. Ouais, j'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Pas facile, hein. Ouais, je m'en doutais de toute façon. C'est un connard. Mais oui, tu mérites beaucoup mieux. Tu veux mon avis? Il était pas fait pour toi, pas du tout. Non, tu mérites beaucoup mieux, vraiment. Je me disais, comme maintenant, apparemment, t'es libre ce soir, on pourrait peut-être aller se boire un verre tous les deux, si ça te dit, quoi. Ouais, ça pourrait être sympa. Enfin, ça me gêne quand même un peu. Pourquoi? Bah, vous savez, les rumeurs entre vous et Eva. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, avec Eva, j'ai pas compris ce qui s'est passé l'autre fois, vraiment. Elle a juste pété les plombs et... Moi, le truc de mélanger les relations élève-prof, c'est pas du tout mon truc. Hein. Mm. Ouais. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Tu me plais beaucoup, Camille, tu sais. T'es une chouette fille. Vous êtes mon prof, quand même. C'est vrai, mais t'as 25 ans, j'en ai 29. On a vu pire, quand même. Je te vois tout à l'heure, d'accord? On se tient en courant pour le verre? Ouais. J'ai un petit truc à faire. Là, toi. Mais il m'a réintégré. Putain, je le crois pas, mais t'as pas viré le proviseur? Non, en fait, on a discuté, il me laisse une seconde chance. Et je voulais te dire, je suis désolée d'avoir agi comme ça. J'étais un peu lourde, je suis désolée. Maintenant, c'est fini, je suis passée à autre chose et je veux vraiment travailler. Ouais, c'est vrai que j'ai pas été très cool non plus avec toi la dernière fois. C'était un petit peu un sale coup d'avoir mis du chine dans tes affaires. Bon, écoute, moi, depuis, je suis passée à autre chose. J'espère que toi aussi. C'est ça. Cette relation classique. Prof-élève. Super. Voilà. Pas de débordement. Pas de débordement. Bon. Bah, sur ces bonnes bases, tape là. Allez. Allez. Là, je l'ai pas reconnu, monsieur Zetoun. Hein. Déconne. Non, vraiment, il a rien assumé. C'est la honte. C'est ouf, à la moindre bêtise, il mettait des tartes. C'est ouf, ça c'est comme un père pour moi le mec. Salut tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez raison, j'ai été une fiotte. Mais ça va changer. Je vais me sacrifier. Quoi? Comment ça? Jawed, quand je vais te demander de filmer, je filme. Vous allez faire quoi? Bonne décision. Soyez fort monsieur. Shabbat shalom. Fils. Faites pas ça, monsieur. C'est ce qu'on entendait. Enfin, monsieur. Non. Ouais, monsieur, je vous kiffe. La 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 la. La la la. Ah!
J'ai réfléchi tout à l'heure. Tu veux sortir avec moi, toi? Bah, si j'ai le choix, non, mais... Ouais, comme tu veux. Ouais, tu seras avec moi. Ouais. Ça va, je te dérange pas? Muscon. À qui, toi? Des muscles et un con. Tu parles à qui, toi? Dis-moi, Muscon, c'est qui ton créateur? Dieu? Ou Fitness Park? Hey, ferme vos gueules, ferme vos gueules, ferme ta gueule! Dernière chose, Muscon. Quand t'as fini de chier, il te reste encore des neurones? Avec ta tête de cul! Jawad! Purée, quelle histoire. Ouais. Bon, l'important, c'est qu'il l'ait viré, l'autre baleine. Mais pendant la bagarre, rien, il t'a pas touché. Eh hey, gros, rien. Ah. À un moment donné, t'as capté, il veut m'en mettre une, ouais. Et tu vois comment on m'a décalé, là. Ouais. Tu vois, là, la MMA, ouais. MMA, bam. Carotide. Tombe. Ah ouais. Rien. T'as un truc, quand même, là. Non, ça doit être un cil. Ah ouais, c'est un cil. Ouais. T'as quoi, la jambe? T'as quoi, la jambe? J'ai une crampe. Ah, t'as fait ça au foot? Ça me gêne un peu quand même. Par rapport à quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Arrête ta tête! Mais t'es malade, chelou, ou quoi? Mais je joue! T'allais rigoler, t'assumes pas, non, tu me remets la faute sur moi. Non, t'es mort de rire! Bah, tu me regardes et t'es mort de rire! Riri, je suis mort de rire? Pris cette année, mais il a eu quelques soucis. Voilà. Il a eu quelques soucis. C'est voilà. Mieux que tu fais ça après! Ouais! Ah, ouais! Attention, monsieur! Ah non, bougez pas, monsieur, faites pas ça, vous allez... Non. Mes cheveux, ils sont jeunes ou pas? Mes cheveux, ils sont jeunes ou pas? Je suis en train de me transformer. Monsieur, bougez pas. Non. Retiens-moi. Donc, je sais pas si c'est la minimalerie, mais tu n'iras pas caresser du bison ce soir. Allez, on reprend. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. C'est comme ça que tu représentes les aides. Non, pardon. Petite fiotte. Eh ben, je vais quand même finir ma phrase, mec. Eh ouais. Je t'ai dit un truc, je sais plus. Merde. Ça, j'ai envie qu'il bande, hein, pas qu'il ait envie de prendre l'apéro. Il me faut un gnoc. Oh là là, j'aimerais trop y aller. Ouais. Mais moi, bon, ce qui paraît. Ah, ouais, non, c'est pas. C'est trop bien, toi. N'hésite pas à nous suivre sur tous les réseaux parce qu'on est partout. Y'a cet homme. On est là. Y'a ce de Y'a cet homme. Tom de Yacetom. Et si tu es sur Facebook, n'oublie pas d'activer les notifications. Like. Voilà, partage si ça t'a plu. Et sur YouTube, voilà, tu cliques sur le petit rond là, avec le doigt ou avec la souris, c'est comme tu veux. Ah, tu choisis.